Ici, c'est l'affaire des leaders. Ce mardi 14 juin 2022 à Lubumbashi, quelques leaders des structures des jeunes se sont réunis pour parler des problèmes qui minent la jeunesse de la province du Haut-Katanga et aussi réfléchir et voir comment trouver des solutions. Nous avons les potentialités, nous avons les capacités, nous avons les aptitudes à résoudre certains problèmes que nous avons. Pour y arriver, ces leaders des jeunes ont à l'unanimité décidé d'organiser dans les prochains jours à Lubumbashi une table ronde des leaders des structures des jeunes. Selon Trésor Kiboko, coordonnateur provincial de cette structure qui réunit les leaders des structures des jeunes, la jeunesse est une solution et non un problème, comme pensent plusieurs Congolais. La jeunesse continue à se fracasser pour être consciente. La jeunesse a des aptitudes, la jeunesse a des compétences. Et bref, la jeunesse est une solution et non un problème. Comme dans la jeunesse, nous avons différents problèmes. Les jeunes se sont décidés de se mettre autour d'une table, réfléchir pour apporter des solutions à leurs problèmes. Alors la séance d'aujourd'hui a réuni quelques leaders pour préparer cette journée-là qui va récupérer tous les jeunes des différentes structures afin de réfléchir sur les problèmes qui guettent la jeunesse et y apporter des solutions adéquates. De son côté, Asmi Damissi, secrétaire général de cette structure des jeunes, appelle tous les autres jeunes à s'accaparer de ces nouveaux projets en pleine gestation. Moi, à mon niveau, j'ai fait appel à tous les jeunes, toutes les structures, de s'investir ou de s'imprégner, de s'accaparer de ces projets, parce que c'est pour l'intérêt de la jeunesse au Katangais. Et ça va donner aussi l'exemple aux autres, des autres provinces et de la République en général. Selon les participants à cette réunion, la table ronde doit aussi chercher les voies et moyens pour consolider la confiance entre les autorités et la jeunesse. Car certaines autorités estiment que quand les jeunes s'approchent d'elles, c'est pour un gain quelconque. Par rapport à la confiance avec les autorités, l'exercice de cette table ronde est de consolider aussi la confiance envers la jeunesse et nos autorités pour qu'on aille à travailler ensemble. Que nous sachions d'abord quels sont les problèmes qu'on a pu constater dans la société qui rongent les jeunes gens comme la jeunesse. Et sur ces, nous allons maintenant trouver des pistes, des solutions. C'est vraiment encourageant, très encourageant. Pourquoi ? Lorsque les jeunes prennent conscience, lorsque les jeunes se mettent ensemble, essayent de réfléchir sur un point ou un problème et de réfléchir sur ça, en tout cas, c'est un point de vue. Parmi les problèmes que connaissent aujourd'hui les jeunes figurent l'éducation, l'emploi, le social. À l'issue de ces assises, les leaders des jeunes déposeront un cahier des charges auprès des autorités provinciales pour que les recommandations des jeunes soient mises en pratique. Nous cherchons le développement. Mais comment vous collaborez entre vous?